Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence de ceux qui n'existent pas. Vous pouvez trouver cette citation dans la Bible en Romains, chapitre 4, verset 7. Autrement dit, qu'il est capable de créer quelque chose à partir de rien et de donner la vie à ce qui est mort. Nous connaissons tous cette célèbre citation d'Edor Elric que vous pouvez trouver dans Fullmetal Alchemist. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre et de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À cette époque, nous pensions que c'était la seule et unique vérité au monde. La maxime, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, attribuée à Lavoisier, est simplement une reprise du philosophe grec Anaxagore. Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. Étant donné que nous faisons partie de la nature, nous sommes soumis à cette loi naturelle et c'est encore plus vrai quand nous voulons créer quelque chose. Dieu étant hors de la création, puisqu'il est le législateur, dispose de toute la puissance dont nous avons besoin. Est-ce qu'il y a une plus grande démonstration de la puissance de Dieu que la résurrection de Jésus? Même si vous vous sentez dépassé par les événements, lui, il n'est jamais dépassé. Il a prouvé avec la résurrection de Jésus. Et il n'a pas besoin ni de pierre philosophale, ni de la loi fondamentale de l'échange équivalent. Pourquoi les chrétiens célèbrent la Pâque? Tout simplement parce que Jésus a respawn après 3 jours de lag et il est ressuscité. Bon, je la refais en français. Tout simplement parce que Jésus est mort, puis il est ressuscité 3 jours après. C'est pour ça qu'on célèbre la Pâque. C'est plus que sa mort que nous fêtons. Nous fêtons sa résurrection. Quoi qu'il en soit, bonne Pâque et restez in game.